Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jonathan pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Océanique, les fermiers des temps modernes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va planter un arbre à racines nues. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, la météo est au rendez-vous. Il fait super beau, ça fait super plaisir d'être dehors. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va planter un arbre à racines nues. C'est un merisier sur lequel j'ai greffé tout fraîchement un greffon de cerisier. Alors la greffe a eu le temps de sécher en 24 heures. Alors avant de planter l'arbre, je vous conseille de raccourcir légèrement les racines qui sont abîmées à l'aide d'un bon sécateur. Ne coupez pas trop des racines, mais coupez juste un peu celles qui ont été abîmées. Ça facilitera la reprise de l'arbre. S'agissant d'un arbre à racines nues, je vous conseille de faire la méthode du pralinage. Ça consiste à tremper les racines de l'arbre dans un mélange d'argile mélangée avec de l'eau. Alors pour ce faire, j'utilise directement de la terre issue des tas de taupinières. Et ensuite, je laisserai tremper le merisier pendant au moins une heure. Ceci afin d'éviter le dessèchement des racines et encore une fois, ça permet de faciliter la reprise de l'arbre. La prochaine étape, c'est tout bête, il faut creuser le trou pour planter l'arbre. Alors je fais un trou assez gros, environ 80 cm x 80, voire un peu plus, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré. Donc pour creuser, il vous faut une bonne bêche, bien costaud. Donc pendant que l'arbre est toujours en train de tremper dans le pralin, je plante ensuite mon tuteur. Alors rien de compliqué, je le plante du côté ouest parce que c'est tout simplement de ce côté là où j'ai les vents les plus dominants. Ensuite vous positionnez l'arbre tout simplement dans le trou. Et vous commencez par remplir. Alors dans un premier temps, vous remplissez avec la terre que vous avez prélevée au fond du trou. Il est important de ne pas mettre le compost directement en contact avec les racines. L'opération que vous voyez là consiste à secouer légèrement l'arbre afin de combler tous les trous sous les racines et qu'on n'ait pas des poches d'air à proximité des racines de l'arbre. Pour le compost, moi je le place tout simplement au pied de l'arbre et avec la pluie, les minéraux s'infiltreront petit à petit jusqu'à atteindre les racines de l'arbre. Je tasse correctement la terre autour de l'arbre. Je finis par déverser mon seau qui contenait le pralin que j'ai réalisé. Donc concernant le nœud qui permet de relier l'arbre au tuteur, je fais un espèce de 8. Alors il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous avez des bonnes techniques pour ficeler les arbres autour des tuteurs, je suis preneur. Et moi je fais comme ça. Alors vous pouvez observer que le tuteur il est légèrement plus grand que l'arbre. Ça veut dire qu'un oiseau viendrait plutôt se poser sur le tuteur et non sur la greffe toute petite et toute fragile. Pour finir la matinée, j'aurai encore paillé les autres arbres fruitiers du verger avec du compost de cheval. Alors si vous voulez voir mon verger, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur votre écran, car c'est tout simplement la vidéo dans laquelle je présente tous les arbres fruitiers de mon verger. Si vous avez aimé cette petite vidéo rapide, alors n'hésitez pas à le manifester en mettant un gros pouce bleu, à commenter la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne Océanique. Je vous remercie. À bientôt les amis, bye bye.